Je sais que tu vas me dire que tu n'es pas intéressé. Je te demande simplement d'envisager de regarder le combat. Ça m'étonnerait que tu aies envie de louper le face-à-face entre Valt et Xander. Tu sais, j'espère que Valt va se qualifier. J'ai envie de le revoir jouer. Voir comment il s'en sort face à toi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je me doutais que tu dirais ça. Salut les gars! Qu'est-ce que c'est que ça? Je croirais dans un sauna. T'arrêtes avec ton écran de fumée? Je n'y ferais pas attention si j'étais toi. Surtout ne sous-estime pas les dégâts que peut causer cette humidité à une coupe de cheveux. Décidément, on en apprend tous les jours. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou quoi? Si on s'y met pas tout de suite, je vais finir par dérailler, si tu vois ce que je veux dire. Tu te prends pour un train ou quoi? On est venu voir si vous aviez besoin d'aide, mais on dirait que tout marche comme sur des roulettes. Un peu d'encouragement, c'est jamais de refus. Et de toute façon, vous pourrez toujours m'affronter après. Ouais, ouais. Je viens de penser à un truc pour rendre cette session d'entraînement incroyable. Ça va être du génie. Ah! Je vous présente la nouvelle méthode améliorée des champions. Tu vas nous affronter tous les quatre en même temps, ça te dit? Quoi? Tu veux dire 4 contre 1? Vas-y, moi je suis partant. Moi aussi, carrément. Valtriac n'exploite pas toute sa puissance, c'est pas vrai? Et tu n'as pas l'air d'avoir la moindre idée de comment y arriver. Peut-être qu'un combat royal, c'est ce qu'il faut pour atteindre le niveau supérieur. Ok, je suis partant. Au pire, qu'est-ce que je risque? Si tu es capable de battre nos 4 toupies en même temps, tu n'auras aucune difficulté à vaincre Excalius. Ouais, bien dit, champion. Je suis d'accord avec lui. Ça ne peut qu'être utile. C'est bon, est-ce que tout le monde est prêt? Carrément! C'est la meilleure idée d'entraînement du siècle! Lancez le compte à rebours! 3, 2, 1, hyper vitesse! Ah! Ah! Oh! Wow, c'est violent! Wow, il ne bouge plus depuis je ne sais combien de temps. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi silencieux. Il doit y avoir un truc qui cloche. Vous pensez qu'il s'entraîne mentalement ou un truc du genre? Xander, laisse-moi t'affronter. J'étais trop emballé à l'idée de t'affronter dans les matchs individuels. Ouais, moi aussi j'avais hâte qu'on fasse ça. J'ai vraiment sous-estimé la puissance que Valt a acquise. C'est toi qui l'a poussé à faire sa propulsion ailée. Seul un adversaire aussi fort que toi a pu provoquer ça. Allez, s'il y a bien quelqu'un qui me doit un combat, c'est toi. Et comment? Ça fait tellement longtemps, je sens que ce combat va envoyer du lourd. Ouais, ça va être cool de voir comment ça va se dérouler. Surtout que c'est un type attaque contre un type défense, donc en gros, on va voir si le sabre de Excalius peut venir à bout de Quetzico. Ça peut être oui comme ça peut être non. À vos marques! Prêt? 3, 2, 1, hyper vitesse! C'est l'heure de la propulsion fusion! Dévore ta proie, Quetzico! Découpe-le en morceaux! Excalius! Attaque du sabre! J'y crois pas! Quetzico a été le premier à exploser! Excalius remporte le combat avec 2 points! Vous avez vu, Xander n'était pas loin de perdre le combat. C'était moins une. Ça te dit qu'on remette ça? Ouais, évidemment. Je veux pousser le bouchon encore plus loin pour voir jusqu'où peut aller la puissance de ma toupie. J'en aurai besoin quand je serai face à Valt. Est-ce que tu penses qu'il a la moindre chance contre toi? Il agit un peu comme un joker dans ce tournoi. Réfléchis 2 minutes, il l'a toujours été. J'ai gagné la majorité des combats que j'ai faits face à Valt, mais de temps en temps, il arrive à me prendre par surprise, en m'attaquant d'un angle que je n'aurais jamais pu anticiper. Je vois ce que tu veux dire. Bon, tu es prêt? On s'y remet? Ouais, vas-y. Attends, j'ai un truc à te dire. Tout à l'heure, tu étais assis par terre en train de méditer. Qu'est-ce que t'étais en train de faire exactement? Rien d'important. Arrête, on ne me la fait pas à moi. J'essayais juste de faire le vide dans mon esprit.
Ah ouais? Je croyais que t'avais toujours eu l'esprit creux. C'est pas moi qui vais te contredire. On se réveille. Les quarts de finale sont toujours en cours et il n'y a pas de place pour les perdants. Des combats féroces entre les participants qui font partie du top 8 vous attendent. Et comme vous pouvez l'imaginer, les quatre suprêmes en font partie. Ils sont forts, ils sont puissants. Shu Kurenai et Luis Shirosagi ont gagné leur place en demi-finale. Les deux autres membres des quatre suprêmes vont entrer en scène aujourd'hui. Xander Chacanera et Zach le Soleil. Leurs deux challengers sont novices. Baitaoi va tenter de venir à bout du rieur au perché. Tandis qu'Akira Yamatoga va essayer de détrôner Zach le Soleil. Nous verrons s'ils sont capables de scinder le bloc des quatre suprêmes cette année. Maintenant que vous savez tout, il est temps que la fête commence et qu'on entame les hostilités. Du côté bleu, il maîtrise l'art de la découpe mieux qu'en boucher, Xander Chacanera. Et du côté rouge, Baitaoi, l'outsider qui ne baisse jamais les bras. Vous ne trouvez pas que Valt a l'air plus calme que d'habitude? Oui, je me demande s'il est stressé. Pas du tout. Il s'est entraîné pour se donner cet air concentré. Il fait ça parce qu'il est face à Xander? Je suis sûr que dans sa tête, il est déjà en train de commencer à s'imaginer tout le déroulement du combat. J'ai eu du mal à dormir cette nuit tellement je savais que ça allait être intense. Ouais. Waouh, il y a tellement d'énergie dans cette salle. D'habitude, Valt ne tient pas en place avant un combat. Et où est passé le célèbre rire de Xander? On en aurait bien besoin pour apaiser la tension. Aucun des deux n'a dit le moindre mot depuis qu'ils sont entrés. À mon avis, on va avoir droit à des surprises. Premier combat. Je n'ai pas peur de toi, tu m'as bien compris? C'est ça. J'arrive pas à y croire. C'est aussi surréaliste que la licorne de mes rêves. On dirait qu'ils contiennent tellement d'énergie que ça va bientôt déborder. T'es prêt, Valtriek? On va se donner à fond et on va pas le lâcher, Xander. On y est, Xcalius. L'arène est à toi. Montre au monde entier ce que tu sais faire. À vos marques, prêt. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oui, décollage parfait. Le combat a commencé! Tu sens cette énergie? C'est vraiment incroyable! Vas-y, donne-moi tout ce que tu as! C'est bien, continue comme ça! Wow! Regardez-moi toutes ces étincelles! C'est le signe que quelque chose se prépare! Fais-le décoller d'un pouce, comme ça on va lui montrer qui mérite le règne suprême. Vas-y, Valtriek! Propulsion ailée! Maintenant, jumelé! Explosion simultanée, ce qui signifie égalité! Le combat était tellement explosif que ça allait forcément finir en match nul! Wow! Pour ceux qui regardent le match à la télévision depuis chez eux, je peux vous assurer que la tension est palpable ici! Je sais, Valtriek, je ressens la même chose que toi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais tout ce que je sais, c'est que Xcalius est beaucoup plus puissant qu'avant. Xander puise dans sa force intérieure. Il faut que j'arrive à me convaincre que ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre toute notre énergie dans ce combat. Pas vrai, partenaire? Ha! Allez, quoi! Ne me dis pas que c'est tout ce que tu as! Tu as été bien meilleur que ça quand tu as affronté Shu durant la finale! Comment ça? Cette fois, il n'y a qu'une seule toupie qui va exploser, ce sera la tienne. Deuxième combat! À vos marques! Prêt! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Allez, sors Xcalius de là! Ils ont la puissance! Ils ont la vitesse!
d'ici quelques secondes. Envoie-moi Valtriek en orbite. Tu vas voir. Tout est fini pour toi. Maintenant, achève-le. Non, c'est impossible. Ouais. Xeno Excalius marque 2 points avec un chaos explosif. Premier à marquer des points n'est autre que Xander Chakadera. Je savais qu'il était puissant, mais là, c'est autre chose. C'est un vrai seigneur de l'anéantissement. C'est bien. Je vais presque avoir de la peine pour toi quand je vais t'éliminer. Ne gaspille pas ton énergie. D'ici peu de temps, tu vas avoir besoin d'éprouver de la compassion envers toi-même. Ça n'arrivera pas tant que je l'aurai avec moi. Tu es prêt à ce qu'on en finisse? Ouais, c'est ça. Continue à me provoquer. Tu ne fais qu'attiser les flammes de ma puissance. Il n'y a que l'éventail de champions qui attise quoi que ce soit. Troisième combat! Cette fois, c'est mon tour. Je peux y arriver. Mon prochain lancement va être le plus réussi que j'ai jamais fait. Hein? Mais qu'est-ce que Valt fabrique? Comment se fait-il qu'il soit en train de s'éloigner de l'arène? Hein? Hein? Ne me dites pas qu'il a décidé de faire marche arrière. C'est risqué ce qu'il fait. Oh oh! Il va quitter la salle en courant! On dirait. On y est! Élimine-les avec un chaos explosif! Petit, tu es sûr? Xander, vas-y! C'est ça! Ouais, tu vas voir! Oh. Attention, à vos marques! Prêt! 3! 2! 1! Hyper! En bondissant et effectue un lancement féroce. Hein, comment? Valtriek, c'est l'heure de ta propulsion ailée. Fais-le sortir de l'arène. Vas-y, Excalius. La toupie de Valt se déchaîne. J'ai presque du mal à suivre. Vas-y. Pluie la rose. Ouais, c'est bien. J'y crois pas. Oui. Victor et Valtriek marquent 2 points avec un chaos explosif. Attention, les 4 suprêmes. Il y a un nouveau shérif en ville. C'est bien, mon petit. Hey, Val, c'est super. Vous avez vu comme courir pour faire son lancement lui a donné plus de puissance. Prompts pour nommer cette technique. Accélération tonnerre, oh, c'est moi qui l'ai dit. Très inspirant tout ça. Tu l'as dit. Tu t'es bien défendu jusqu'à présent, mais t'as sous-estimé Valtriek. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, je trouve ça extrême, même pour un quart de finale. C'est un peu le principe de ces combats, petit. Il faut toujours rester concentré et ne jamais perdre de vue son objectif, car on ne sait jamais quand la prochaine vague va frapper. Pour une fois, je crois qu'il a compris le truc. Moi, je ne comprends rien. Comment il a pu... Tout est possible dans ce genre de combat. Concentre-toi, allez! Tout ce qu'il te faut, c'est juste un point de plus. Tu peux y arriver. 4e combat! Regardez-le! On dirait que Valt prévoit de faire un 2e footing. Xander n'a pas l'air impressionné. Il ne bouge pas d'un pouce. Ce lancement va être décisif pour déterminer qui va se qualifier et qui va faire ses valises. La pression est à son compte. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1. Hyper. Quelle attaque violente. Et en voilà une autre. La récréation est finie. Prépare-toi, Valt. Parce que maintenant, je vais me lâcher. Dans ce cas, donne-moi tout ce que t'as. Fais gaffe, tu risques de le regretter. Quel affrontement! Ils sont en train de se réduire mutuellement en miettes.
Tu connais la chanson, Xcalius. Seul un de vous deux s'en sortira pour finir premier. Voltriac, mets un terme à tout ça. Chaos explosif. Chaos par explosion simultanée. Égalité. Incroyable. Une autre fin explosive. Le score reste à deux partout. La nouvelle accélération tonnerre de Valt est impressionnante, mais la puissance de Xander ne fait que se décupler. Ouais, on dirait qu'ils s'alimentent l'un l'autre. Dès qu'il y en a un qui devient plus fort, l'autre se met automatiquement à gagner en puissance. Pas mal du tout, on dirait que tes entraînements ont enfin fini par payer. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais je suis pas le seul responsable de tout ça. Avec Valtriac, on est une équipe. Et on compte monter vers le sommet de la gloire. Tu rêves, mon petit. Vous n'irez pas plus loin, l'aventure s'arrête ici. Cinquième combat. Valt recule. Il se prépare de nouveau à sprinter pour faire son lancement. Pendant ce temps, Xander garde son calme et reste fermement cloué au sol. Le score est à égalité avec deux partout. Qui sait comment ce combat va se terminer? À vos marques! Prêt! 3, 2, 1 Hyper! Il est grand temps que tu le démolisses, Xcalius! T'en retiens pas! Mais tout ce que t'as dans ce combat, Valtriac, c'est bientôt la fin! Propulsion ailée! L'attaque de non-retour! Sabre jumelé! Ressens toute la puissance que tu as en toi! Victory Valtriac gagne ce combat en marquant 2 points avec un KO explosif. Valtaoy l'emporte avec un score de 4 à 2. C'était le meilleur combat que j'ai jamais vu. Vous vous attendiez à quoi? C'est moi qui ai supervisé ces entraînements. Il s'est vraiment surpassé cette fois. Ouais! Xander, comment ça a pu arriver? Je savais que ce serait un beau combat. Joli. C'est ça que je veux voir. Il devient plus fort à chaque combat. Sacrée défaite! C'est incroyable! Jusqu'à ce jour, ce combat interminable a été l'un des plus animés. L'Outsider Valtaoy a vaincu l'un des quatre suprêmes, Xander Chacadera! Hé mec, tu veux que je te dise, tu m'as complètement épuisé. J'ai donné absolument tout ce que j'avais dans ce combat. Ah ouais? Moi je serais capable d'y retourner. À d'autres? Arrête de mentir, t'as plus aucune énergie du tout. Non, je t'assure, je me suis retenue, je voulais surtout pas que tu te sentes humilié devant tous ces gens. C'est ça. En tout cas, tu sais ce que ça veut dire maintenant. Il va falloir que t'arrives à venir à bout des quatre suprêmes. Pourquoi pas, ça vaut le coup d'essayer. Je suis toujours partant quand il s'agit de relever un défi. Oh, 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 oh
moment. Baby, baby, venu tout droit pour.